Ma volonté est ce qui guide un petit peu mes errements, mes recherches en peinture. C'est surtout de. J'ai le grand bonheur de ne pas savoir, comme quelques-uns de mes amis peintres, en attaquant une toile, ce que je vais faire. Quelques traits, une mise en page, quelques courbes, un peu de graphisme vont m'aider à avoir les plans de matière, les plans de couleur que l'on va assembler, que l'on va rythmer. Il faut un rythme, mais il faut que la peinture, quand elle sera terminée, ce qu'on ne sait pas quand on la démarre, il faut qu'elle puisse attirer le regard en 3 secondes, comme je dis toujours, qu'elle puisse ne pas décevoir un œil averti en une trentaine de secondes. Donc il y a cette nécessité d'ordonner la toile, d'avoir une mise en page qui demeure finalement classique, même si la forme va paraître plus contemporaine. Donc, je veux peindre comment? J'ai la chance d'être en une époque moderne, on a des formats carrés en plus maintenant, on a tous les formats qu'on veut, on a les matériaux. Je n'utilise que l'huile et les médiums car je suis resté finalement un grand classique, même dans mes mises en page. Mais à travers toute cette formation classique, il y a quand même derrière toutes les possibilités de liberté de la peinture contemporaine qui sont formidables. Moi, avec un seul matériau. Je n'abuse pas des effets de matière ou de ce que l'on peut ajouter. Je peux épaissir un peu ma pâte pigmentaire avec mon médium et mes pigments, mais je ne vais pas introduire d'éléments extérieurs pour ne pas perturber ma démarche personnelle. J'ai besoin de peindre vite, de jeter spontanément sur la toile, d'ordonner, d'avoir la mixité avec une mine de plomb, du graphite, de venir intervenir, faire ressortir les traits, gratter, travailler dans une gestualité avec ce travail de mémoire, d'émotion et de souplesse du geste, le couteau. Le couteau est intéressant avec toutes ces formes de couteaux que l'on retravaille et qui permettent de donner évidemment une particularité à la peinture. J'aime pour ma part donner de l'équilibre, mais ensuite du rythme. Je préfère, même étant très classique, je préfère la force de l'impair à la parité absolue. Et donc ce déséquilibre, ce rythme, et ensuite j'aime les fractionner la lumière dans ces traits de force, ces lignes dans une toile autour desquelles je vais jouer et varier les couleurs pour avoir cet effet un peu fractal. J'adore et nous allons tous en peinture vers l'abstraction. C'est une démarche naturelle pour qui peint depuis 20, 30 ou 40 ans. On a besoin d'épurer, on a besoin d'écarter d'un thème tout ce qui est superflu, mièvre, inutile, pour n'arriver qu'à la force essentielle de la lumière, de la forme, du reflet, de la matière, mise en page. Dans une volonté de donner ou 2 ou 3 dimensions dans les 2 dimensions d'une toile, tout cela est un formidable défi. Et ce jeu de matière, de couleur, est évidemment fascinant pour tout peintre. La difficulté, c'est évidemment de trouver
ce que j'appelle l'apogée d'un tableau. C'est-à-dire que dès qu'on a mis suffisamment d'éléments dans cette toile pour qu'elle commence à nous plaire, il faut savoir trouver le moment où une intervention de plus dans la toile la ferait retomber en qualité. Donc, il faut une certaine concentration qui ne vient qu'avec les années, l'expérience, je crois. Donc, savoir trouver ce moment où la toile doit être achevée et où tout ce que l'on a encore à dire sera au bénéfice d'une toile future. Alors, certaines toiles viennent facilement, d'autres demandent un peu plus de travail parce que ce jour-là, on n'est peut-être pas dans les bonnes conditions, mais quand on a voulu quelque chose et qu'on n'y parvient pas facilement, je pense que tous les efforts que l'on fait en maîtrise technique, en recherche, en imagination, pour rattraper une toile qui nous semblait imparfaite, eh bien, tous ces efforts ne sont pas perdus. Et toutes les quatre ou cinq toiles, après des toiles de combat, il arrive tout d'un coup, je crois que d'autres artistes ont la même chose, une toile plus facile qui paraît sortir d'elle-même. Je crois qu'elle est la résultante des efforts que l'on a fait lors des toiles précédentes. Si je peux échapper à un vernissage, cela m'arrange car c'est l'œuvre qui compte, c'est la toile, ce sont les toiles, c'est le travail représenté. L'objet est pour moi quand même plus... Le concept m'appartient et ensuite la peinture c'est un passage d'émotion et pour que ce passage d'émotion soit réussi, je crois qu'il suffit de regarder l'œuvre et ce qui m'intéresse, c'est que les amateurs qui viendront voir ces toiles aient leur propre ressenti, ne le modifient pas en fonction d'une conversation avec moi ou d'une rencontre avec moi et l'émotion doit rester pure pour eux. Si la peinture est bonne, ouverte, offerte, inductive, d'émotion, on n'a pas besoin de l'expliquer. Je pense que dans notre univers actuel, le seul luxe que je peux, ce terme me déplaît déjà, mais pour te faire comprendre mon univers, ce qui m'entoure, j'ai besoin de penser que ce qui est encore admissible, en reprenant le terme de luxe, c'est d'avoir de l'espace. Il faut avoir du volume, de l'espace pour la création. On a besoin d'avoir un univers relativement sans limite. Et après, le deuxième point, s'entourer de belles choses, mais de belles choses parce que le beau engendre le beau. La création donne envie de créer. Une création réussie
elle va donner à celui qui la regarde envie de créer lui-même, inconsciemment. Donc, j'avoue que l'atmosphère que tu as pu voir autour de moi, elle me sert. J'ai besoin de mes livres, j'ai besoin de tel ou tel objet qui non seulement me rappelle un souvenir, mais par sa forme même est élégante. J'ai besoin de plein de références culturelles avec un tout petit C, c'est-à-dire pas par vanité. Surtout, peindre, c'est renoncer à la vanité, c'est rechercher, c'est ne jamais trouver, savoir qu'on ne trouvera jamais, mais qu'on aura toujours envie de chercher. C'est une passion inassouvie. On peut répondre à une angoisse par une toile un peu mieux réussie, mais dès qu'elle sera terminée, l'angoisse reprendra. Saurais-je encore peindre? Saurais-je encore faire la prochaine? Tous les matins, j'ai l'impression de ne pas savoir peindre, et c'est le premier défi de la journée. Parfois, quand comme actuellement, j'ai encore une autre activité professionnelle, je dois partir à la clinique, je griffonne un petit quelque chose avant de partir pour me rassurer. Tu vois, j'ai besoin de me prouver rien qu'à moi-même, mais que je peux encore pratiquer, je sais encore le faire. Donc c'est ce défi permanent qui est une manière de vivre assez formidable.